Salut les filles, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo swap. Donc c'est un swap vide tiroir. Donc en fin de compte, on n'achète pas les produits, on donne les produits qu'on ne veut plus tout simplement. Et voilà, j'avais envie de le faire parce que j'avais pas mal de choses aussi à donner. Et je me suis dit autant que au lieu que ça reste dans le placard, autant les donner à quelqu'un et peut-être de lui faire plaisir. Donc voilà, bah moi j'ai fait un swap avec Hélène LC et c'est un carton comme ceci. Donc je sais pas si vous allez voir comme il faut. Donc voilà, c'est un carton comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais l'ouvrir avec vous et bah on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc je suis vraiment impatiente, vous imaginez même pas comment. Alors, déjà je me demande comment je vais l'ouvrir. Ça m'a l'air déjà assez lourd. Alors déjà, si j'ai un couteau qui coupe pas, ça va pas le faire, hein. Oh, finesse! J'ai un couteau qui coupe pas. Mon Dieu. Alors, on va couper tout ça. Donc, c'est bien présenté. En tout cas, c'est mieux présenté que moi. Parce que moi, du coup, j'ai fait des gros paquets parce que j'avais pas de papier comme ça, en fait, comme elle est là. Voilà, j'avais pas de ça et du coup j'avais pas envie que les choses se cassent, donc j'ai mis ça dans des cartons et j'ai bien emballé le truc. C'est pour ça que moi ça fait moins présenté. Et du coup ça se présente comme ceci. Donc voilà. Alors, voyons voir la petite carte. Coucou, voilà le colis vide tiroir. J'espère que cela te plaira. J'ai mis quelques produits de ta wishlist que j'avais. Gros bisous. Oh, miam miam. Des gâteaux. Alors, des gâteaux sablés d'opale, les véritables biscuits aux pépites de chocolat. Miam miam. En plus, c'est breton ça. On dirait que c'est breton. Bon, bah, Hélène, hein, je goûterai. Je verrai bien ce que j'en pense. Après, bon, bah là, j'ai pioché. Je pioche au pif parce qu'elle m'a pas mis en fait de petits numéros, etc. Donc, je pioche au pif. Alors, voyons voir c'est quoi. C'est quoi? Je regarde. Hein. Oh. Ah, un blush que j'avais envie d'essayer en plus. Donc, c'est un blush de chez Modelco. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc, elle aussi, elle a super bien emballé dans des petits machins. Franchement, super nickel. Trop, trop bien. Merci, t'es trop adorable. Ah bah il est neuf en plus. Putain c'est un... Pardon hein, c'est un magnifique... Ah c'est un blush. Ouais c'est un blush. Il est vachement irisé, il a des tons orangés. Je sais pas si vous allez voir. En plus de ça, la luminosité elle est vraiment juste horrible. Je voulais filmer dans la salle comme d'habitude avec mon fond blanc. Mais au final, mon chéri il est en train de monter notre table basse. Donc du coup, bah, je suis obligée d'aller dans la chambre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que tel et tel endroit est mieux. Ça me permettra de savoir en même temps. Après, un autre blush. Non. Ah non, un bronzer toujours de chez Modelco, on dirait. Alors, donc là, c'est un bronzer toujours de chez Modelco. Voilà, qui se présente comme ceci. En plus, j'ai jamais testé cette marque-là. Donc ça va me permettre de vraiment pouvoir tester leur marque. Ça qui est bien. C'est good. C'est super. Ah bah, je vais tester ça, moi. Ah nickel, bah merci. Hein. C'est bien de recevoir des petits trucs comme ça. Donc là, j'ai reçu un. Bah là, j'ai reçu du coup un fard à paupières Catrice de couleur grise. Voilà, qui se présente comme ça. Et j'ai jamais. J'ai pas de gris. Ça tombe bien, franchement. En plus, moi qui aime le gris, comme vous pouvez voir, j'adore le gris. Voilà. Il y a plein de petites touches de gris. J'adore le gris. Sur les yeux, je n'ai jamais testé, donc je verrai bien. Mais en tout cas, merci. Hein. Franchement, merci, merci. Merci. Après, on attaque un autre petit. Donc voilà, il est comme ceci. Ah, c'est des pigments. Je connais pas du tout la marque. C'est la marque Lumiki. Voilà, qui se présente comme ça. Et en fait, c'est des pigments dedans. Lumiki Cosmétique. Voilà, donc là j'en ai un noir, j'en ai un couleur Bambi, la référence Bambi. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà, ils ont l'air d'être jolis quand même.
et un autre, mais celui-ci, ça, c'est pas trop ma couleur. Mais à voir, faudrait que j'essaye sur la paupière. Voilà, on dirait que c'est un genre de rouge, un peu dans les tons rose, avec des petites paillettes dorées dedans. Après, j'ai reçu... Alors... Pastel teint. Alors, c'est quoi ça? Bonjour. Poudre pressée 64 rosée. Si j'arrive à l'ouvrir. Elle se présente comme ça déjà. Si j'arrive à l'ouvrir. T'avais ce même problème là, c'est pour ça que tu me l'as donné. Je peux pas l'ouvrir. À moins qu'il y ait une astuce. Ah, mais Marilyn elle est bête aussi. Non, mais parce qu'en fait il fallait tourner le truc. Et moi j'ai pas tourné. Ah bah ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa ça. En plus j'aime bien la marque Bourjois. Et c'est une poudre pressée. Ah bah c'est sympa. En plus je crois que j'en ai presque plus. Faudrait que je regarde. Mais je vais tester demain tiens. Je vais tester demain. Après on passe à un autre petit paquet comme ça. Alors donc là c'est des échantillons. Masque nourrissant Nivea au miel, donc comme ça. Il y en a, ça je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi. Ah c'est un masque, ça c'est un masque de chez Emma qui se présente comme ça. Après il y en a un autre masque comme ça à la framboise et un autre masque strawberry. Voilà, qui se présentent dans leur petit truc comme ça. Et ça vient de chez Emma. En plus de ça, moi j'ai pas de Emma chez moi. Et c'est vrai que j'aimerais bien aller faire un petit tour. Donc sympa. Vraiment, merci. En plus, vous savez que j'avais besoin de masque. Donc ça tombe bien. Après, là, j'ouvre celui en petit cœur comme ça. Trop mignon. Alors là, c'est coffret de maquillage Pro Makeup Cares. De chez Makeup Line. Donc c'est un truc qui se présente comme ça. Alors, ah je crois que je l'avais déjà eu celui-là. Donc là c'est un, en fait il y a un gloss. Là y a... vous avez un genre de pinceau et là je crois que c'est un fard à paupières dans ce truc-là. Alors attendez, ouais là c'est un fard à paupières. Et ils sont vraiment jolis les fards à paupières. Hein. Très jolis, ça m'a l'air hyper bien pigmenté en tout cas. Ah ouais. Hyper bien pigmenté, après ça reste un peu poudreux mais hyper bien pigmenté. De toute façon ma Makeup Line je trouve qu'ils font des bons trucs quand même hein. Et même au niveau du packaging c'est vraiment joli. Après, alors celui-ci qui est comme ceci. Là dedans c'est quoi? Alors là dedans c'est une pochette. Bah, déjà il y a une pochette comme ceci. Et là dedans il y a des petits trucs. Alors du coup il y a quoi? Lumizing, alors ombre doux éclat de Shiseido. Ah bah j'ai jamais testé Shiseido. Ah un très joli fard à paupières. Oh, putain il est vachement beau. Donc il se présente comme ça. Et c'est le GR712. Et franchement ultra pigmenté. Regardez-moi ça. Pigmenté de dingue. Après, il y en a un autre de chez Emma, donc qui est gris et un peu blanc, comme ça, pailleté. Après, il y a également un rouge à lèvres de la marque Wet n Wild. Je connais pas. Je connais pas du tout cette marque-là, qui est un rose comme ceci. Voilà. Après, il y a quoi d'autre ? Alessandra Concealer Beige. Ah, concealer beige comme ça. Jamais vu. Ça s'ouvre comment ça? C'est pas un concealer ça? Ah, c'est pas un concealer ça. Mais c'est quoi ça? Voilà, je comprends pas trop. Ils mettent concealer. Concealer, c'est pourquoi ça déjà? Ben, là il me fout le doute parce que c'est comme un fard à paupières mais il est hyper irisé le truc. N'hésite pas à me dire c'est quoi ce petit truc là parce que je sais pas, je suis paumée. Après du coup hein,
Arrêtons parce que là je pars en vie. En plus il fait extra chaud dans la chambre, je vous dis pas comment il fait chaud. Je vais régler ça, voilà. Après du coup il y a un rouge à lèvres de chez Sleek. Enfin ça tombe bien, j'ai jamais essayé cela. Il se présente comme ça. Mon short. Il se présente comme ça. Voilà. Et celui-ci c'est vachement... Alors, il est trop beau. C'est un rose comme ça pétant là que j'adore. Oh, il est vraiment trop beau, hein. Merci. Ah, il est trop beau, en plus il est mat. Il est vraiment dingue. Trop trop beau, j'adore. Waouh, merci. Il y en a un autre de chez Revlon qui est mat ban. En plus j'ai voulu les tester ceux-là. Vous savez c'est ceux-là qui se présentent comme ça là. Et celui-ci c'est le 210 époque Unapologétique. Ils n'ont pas choisi un nom compliqué. Alors bah dis donc, il est vachement pigmenté. Voilà, il se présente comme ça. Vraiment trop trop bien parce que celui-ci je voulais le tester et bah là franchement la couleur elle est belle quoi. Ouais, il y a la couleur, bah il y a le, c'est quoi ça? C'est quoi? Bah c'est une ombre à paupières mais vous savez là, en crème là. Et du coup ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est de chez L'Oréal et celui-ci c'est le Matte Finish. Donc c'est non, c'est le 028 Enigmatic Purple. Donc à tester, je verrai bien la couleur. Parce que là on voit pas trop en fait. On dirait que c'est un peu du violet foncé mais comme du noir aussi. Après, il y a... Ça doit être un baume à lèvres je pense. De chez The Body Shop qui se présente comme ça. Donc ça tombe bien parce que moi à chaque fois j'ai les lèvres sèches donc c'est juste horrible pour moi l'hiver. Et ouais franchement ça va bien me servir. En plus de ça c'est à la framboise donc ça tombe bien parce que j'aime pas trop la fraise. Donc merci. Après il y a ça. Donc je sais pas c'est quoi. Hein. T'as caché un égode là-dessous. Humour les filles, humour. Hop, hop, hop. Alors... Bébé Beauty Balm. Alors, Omega Repair Bébé Beauty Balm. Essence ultime de Schwarzkopf. C'est ça. Mais je sais pas c'est quoi. Tu pourrais me dire. Est-ce que tu pourrais me dire, Hélène, parce que là j'essaye de comprendre, mais je comprends pas trop c'est quoi en fait. Je sais que c'est pour les cheveux, mais après. Après, ça sert à quoi? Parce que là, je sais pas. Ouais, tu pourras me dire parce que je sais pas si ça sert à quoi, mais je sais que c'est pour les cheveux, hein. Mais je sais pas c'est pourquoi exactement, si c'est après shampoing ou... En plus, je l'ai pas celui-là, il est trop beauté. Alors, j'ai le rose d'Oro, le 02 comme ceci. Et il est vraiment magnifique. Franchement, il est trop beau, quoi. Oh, trop, trop beau. Il est trop magnifique, merci. Hein. Merci, merci. Hein. Il est trop bien. Un petit truc comme ça. Ah, je comprends pourquoi tu voulais pas de mascara. T'en as trop, donc tu m'en as donné. Moi aussi j'en ai trop. Donc là c'est le CoverGirl, le jaune. Et là vous en avez un de chez Sephora. Donc je sais pas s'ils sont ouverts encore ou pas. Ils ont l'air d'être bien les picots. Après, il y en a un autre de chez Sephora. Oh punaise, le truc il est petit. Hein. Regardez-moi ça. Tout petit. Ça peut être bien, ça peut être précis, ça. Nickel. Bah merci. En plus, j'en ai déjà 3 d'utiliser. Il va falloir que je gère là pour les utiliser tous un max. Avant que ça sèche. Mais merci, merci. Après. J'essaye d'en ouvrir un autre là. Donc là c'est deux vernis. Ah en plus j'ai jamais testé ceux-là. Je voulais essayer. J'étais en train de me dire ça dans ma tête la semaine dernière. Alors. Là c'est deux vernis de chez Mavala. Donc il y a le French Melon 182 et le 180 Candy Floss. Donc voilà. Ils sont trop mignons t'es. En plus j'ai jamais testé ces deux vernis là. Donc bah, ces vernis là en général. Donc ça va me permettre de tester parce que là mon vernis est vraiment dégueulasse, là il est totalement cassé. Bah merci hein,
Ça va faire deux vernis en plus dans la collection. Après, il y a un autre petit truc comme ça. Alors, donc là, c'est le... Je sais pas, c'est quoi. Je sais pas, c'est quoi. On dirait peut-être une crème hydratante. Donc, c'est à l'aloe vera, on dirait. Donc, ça se présente comme ça. Oh, mince. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Merci. Nickel. Bon, bah, merci, hein. Ça tombe bien. Nickel. Après, il y a un autre. Alors, donc là, il y a un concealer kit, apparemment. Je sais pas quoi. Donc là, vous avez un concealer ici. Et c'est de chez Mimimi. Et du coup, il doit y avoir la poudre, en fait, là, juste là. Voilà. Oh, je peux... Ça en met plein partout. Je vais faire attention parce que... Sinon, je vais en mettre plein sur mon lit. Après... Il y a un truc comme ça. Ah bah celui-là, ça me dit quelque chose. Ah bah ouais, moi je m'en doutais. Je m'en doutais. Ah bah merci. Un gel douche à la pomme. Donc un gel douche à la pomme de chez Cottage. Il y a. Ça, c'est à l'huile essentielle de Eau d'Angélique Bio. De chez L'Occitane Nettoyant Radieux. Ah bah j'ai jamais testé en plus. Bah merci, bah comme ça va me permettre de tester en plus, c'est bien ça. Ah c'est... ah ouais franchement c'est bien ça, merci. Bah je vais tester ça. Ah ça c'est quoi ça? Un gommage de... On dirait... Ouais un gommage... Oh je sais pas quoi. Je sais pas, ça se présente comme ça. Et je sais pas c'est un gommage à quoi. C'est écrit en anglais ou en je sais pas quoi. Ah non, c'est écrit en allemand. Ça sent le citron. En tester. Donc là, c'est Balea, Brésil, Mango. Je ne sais pas c'est quoi. Ça se présente comme ça, mais je sais pas c'est quoi. Parce que c'est pas écrit en français. Donc si tu sais, tu pourras me dire ce que c'est parce que... Bah, je pense que tu sais vu que tu l'as acheté, mais tu pourras me dire ça sert à quoi parce que je connais pas ce truc. Donc là, c'est quoi ça? J'ai jamais testé les vernis de chez Etam, donc ça m'en fera un plus dans la collection, merci. J'ai jamais testé, en plus j'aime bien le rouge. Donc merci. Après, il y en a un autre ici. Rouge à lèvres mat longue durée de BH Cosmetics. Oh, intéressant. Ah bah tu sais que j'ai failli les acheter ceux-là une fois. Et du coup j'avais annulé ma commande. Bah tiens ça va me permettre de tester vraiment. Ah c'est bien ça leur petit clips là. Donc ils se présentent comme ça. Vraiment génial. Ah oh, hyper bien pigmenté. Il se trouve là. Oh, c'est vraiment génial. Ah bah merci comme ça ça va pouvoir... Bah ça va me permettre de le tester parce que moi c'est vrai que j'ai pas... Je l'avais pas essayé celui-là et c'est vrai que j'avais envie de l'acheter et du coup j'avais pas acheté. Après, donc là c'est une palette de chez Makeup Revolution, on dirait. Alors, donc elle se présente comme ceci. Et c'est la Art Day. Et du coup, elle se présente comme ça. Donc les fards ont l'air plutôt pas mal. Et voilà, elle se présente comme ça. Bah comme ça je vais pouvoir tester. Parce que c'est vrai j'ai jamais été plus attirée par ces palettes là. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai jamais été plus attirée que par ces palettes là. Mais comme ça va vraiment me permettre de me pouvoir tester ces fameuses palettes là. Et voir vraiment ce que j'en pense. Donc merci. Comme ça je pourrais tester. Alors après j'ai reçu un truc comme ceci. Donc là c'est un vernis de chez Chanel. Bah punaise, première fois que j'aurai un vernis de marque. Voilà. Un vernis de chez Chanel et c'est le... Il n'y a pas de nom. A575 Starlet. Ah ouais, d'accord. Bah, génial. En plus, j'ai dit dans ma vidéo... dans ma vidéo haul... dans ma vidéo haul que justement, ça m'a... J'aimerais bien essayer un vernis de marque pour voir vraiment si ça vaut vraiment le coup ou pas. Et du coup, bah, je vais tester. C'est génial, merci.
En plus, si vous savez que c'est ma couleur préférée en ce moment. J'adore le pêche. Je trouve ça tellement joli. On dirait que j'ai le même. Ah bah merci. Ça m'en fera un en plus. Une pochette comme ceci. Alors. Oh là là. Bon bah là, il y a pas mal. Là, c'est que des échantillons en fait là-dedans. Ouais, là, c'est que des échantillons. Putain, elle a fait tout mieux que moi, quoi. Donc voilà, là, il y a pas mal d'échantillons. Et il y avait ça également dedans. Alors vous allez voir avec... vous allez voir comment moi j'ai mis des trucs. Vous allez dire, oh là là, mon dieu, Hélène, elle a trop bien fait son truc. Et Marilyn, elle a mal géré. Mais c'est la première fois que je fais ça aussi. Hein. C'est la première fois. Et j'avais pas envie que ça se casse non plus. Hein. Donc là, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc de chez Dior. Voilà, c'est un truc comme ça de chez Dior en fait. C'est dans son plastique, je sais pas pourquoi. C'est dans son plastique, ça doit être un truc d'essai ou je sais pas. Mais en tout cas, bah merci. Bah comme ça, ça va pouvoir me faire tester les marques, bah les grandes marques comme ça. Parce que moi, on va dire que je pouvais pas aller trop vers les grandes marques. Après, c'est, je ne sais pas. Donc là, il y a un truc de chez Estée Lauder, un rouge cristal. Ah, donc ça, c'est un rouge à lèvres. T'as, bah, t'as géré, toi. Oh là, bah, rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Donc, c'est un orangé comme ça. Voilà. Donc, moi, c'est pas le genre de couleur que je porte habituellement, mais à tester, je vois. Je vais voir ce que ça donne. Et là, un rouge à lèvres, pareil, on dirait, hein, ou un blush de chez Revlon. Voilà, qui se présente comme ça. Après, il y en a un autre truc comme ça. Alors, c'est une palette de maquillage de chez Réserve Naturelle. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, la palette se présente comme ceci. Donc voilà, elle est toute mimi. En plus, elle est toute neuve, quoi. Bah merci. Hein. Merci, merci. C'est gentil. Après. Alors. Oh, merci. Tu gères grave. Oh, tu gères grave. The ball. Oh, punaise, trop bien le truc. J'avais jamais vu celle-là. Bah tiens, bah ça m'en fera une en plus. Oh bah elle est trop géniale. Oh bah merci. Voilà. En plus les couleurs elles ont l'air hyper pigmentées, truc de ouf. Tu sais la palette elle est vraiment géniale. J'ai jamais vu celle-là. Oh bah franchement merci hein. Merci merci. Merci mille fois. Franchement j'ai jamais vu cette palette-là et elle est vraiment originale quoi. Rouge à lèvres, toujours de chez Revlon. Qui est comme ceci. Et celui-ci, Marilyn commence à avoir la voix qui floute. Celui-ci, c'est le 060. Donc, c'est un genre de rouge-rose. Après, là. C'est vite ça. Putain, j'espère que les trucs que je t'ai envoyés vont te plaire parce que. Mon dieu, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est la première fois que je fais et. Et c'est chiant parce qu'on sait pas vraiment si ça va plaire à la personne. Donc ça c'est pour appliquer matin et soir à la racine des cils spécifique. Talika. Oh c'est pas le truc que Salana s'est parlé là. Ah oh, c'est pour les cils. Tu rigoles punaise. Eh c'est ce que je voulais. Non mais c'est ce que je voulais. Oh. T'es la meuf elle a tapé dans le mille quoi. J'aide pour la pousse des cils. Oh ouais, franchement, génial. Oh bah merci, tu gères là. Eh, tu gères trop. Oh, ça, mais ce truc-là, je le voulais trop. J'ai vu le prix, j'ai dit non merci. C'est bon, j'achète plus. Ah, franchement, génial. Bah je vais le tester dès ce soir. Après. Alors, attendez. Mais t'as grave géré, toi, comparé à moi. Attends, j'espère que ça t'a plu, en tout cas. Après, là, il y a la Lac Couture vernis à ongles, comme ça, de chez Yves Saint Laurent. Mais mon dieu, bah, tu les as où, t'es Yves Saint Laurent, t'es. Oh là là, j'ai jamais eu de vernis comme ça, moi. Voilà, il se présente comme ça.
Donc c'est un bronze aztèque. Aztèque. Tu vois, comme le steak, quoi. Et non, mais la couleur, elle a l'air quand même jolie. J'ai jamais vu cette couleur ailleurs, en fait. C'est un noir mélangé de doré dedans. Punaise. Choquée. Alors, voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Et du coup, c'est une petite pochette. Alors, la petite pochette avec une ombre à paupières, on dirait, de chez The Balm. Ouais, c'est un pigment, en fait, de chez The Balm. Et j'ai jamais testé, quoi. Après, il y a un exfoliant pour le visage à la papaye de Vazanti. Voilà. Après, il y a... Je sais pas c'est quoi. Teint pour lèvres et joues de chez Modelco. Voilà, qui se présente comme ça. Marilyn a un peu du mal à parler. Voilà. Bah punaise, je suis choquée là. Mon dieu, comment t'as géré? Je sais pas où t'as tous ces produits là, mais... Après, un masque effet glacé 3 minutes. Ah bah ça, j'ai envie de l'essayer ce soir, tiens. Voilà, un masque comme ça de chez Yves Rocher. J'ai bien envie de l'essayer ce soir. Et une CC crème de chez Bourjois, qui est comme ceci. Et c'est rare que je mette des CC crèmes, donc là, ça va me permettre vraiment de tester. Donc merci, franchement, tu gères, mais... Oh, grave. Première fois que je fais ça, bah j'adore. Oh, j'adore. Putain, en plus, tu donnes des trucs, mais... Waouh. Alors là, c'est un blush de chez Keycolor. Je connais pas. Je ne connais pas. Voilà, il se présente comme ça. J'ai jamais vu ça. Je vais pas faire la con parce que si je me retrouve avec une grosse truc de rose là. Après, alors, LCM, L'Oréal. Parce que je le vois bien. Alors celui-ci c'est le Aqua Serum, donc c'est antifreeze, donc ça c'est bien. Tombé, fluide, nanana, cheveux raides, indiscipliné. Bon bah nickel, bah merci, bah je vais tester ça, nickel. En plus j'aime bien la marque L'Oréal. Un base duo kit, crème liquide fondation, donc de chez Sleek, voilà. Voilà. Ah, jamais vu celle-là. En plus, je mets mes mains sales dessus, on dirait. Ah ouais, malheureusement, celui-ci va être trop clair pour moi. Donc là, vous avez... vous savez, c'est le truc de Sleek, comme ça. Voilà. Et ouais, celui-ci va être trop clair pour moi, malheureusement. Après, on peut pas tomber dans le mille non plus. Et là, vous avez un genre de correcteur, on dirait. Et franchement, ça c'est bien en plus, hein. Franchement, le petit truc comme ça, vraiment génial. Mais ce n'est pas ma teinte. Ce n'est pas ma teinte, c'est trop clair pour moi. Donc ouais, donc ça va pas le faire. Et merci beaucoup. Alors là, c'est Michael Kors. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi? Des vernis? Oh, mais t'es folle, t'es. Waouh. Donc c'est un joli vernis comme ça. Oh, vraiment dingue. Waouh. C'est comme mais... Oh, trop beau. C'est comme si tu me connais par cœur, quoi, la meuf. Trop magnifique. T'es, celle-là, je n'ai jamais vu cette couleur. Elle est vraiment magnifique aussi. Waouh. Wow. En plus, ce packaging, il est trop beau, quoi. Bon, ça, je vais le mettre sur mon étagère à vernis direct. Oh, trop beau. Oh, bah merci. T'es, franchement, waouh. Wow. Choquée. Oh mince. Alors là je crois qu'il manque le bouchon là. Ah le bouchon il est parti. Voilà. Donc je sais pas c'est quoi. Marine qui a du mal. Ah non, donc ça c'est de chez... Ah ouais, de chez Guerlain. Un col de chez Guerlain. Bah mon dieu, tu gères. Ah bah celui-ci je voulais trop le tester. Too Faced. Oh ya ya.
Je vais enfin pouvoir le tester. Oh, je l'ouvre pas, on dirait qu'il n'est pas encore ouvert. Oh bah merci. Oh, tu gères, tu sais. Franchement, j'adore la marque Too Faced. C'est vraiment ma marque préférée, ce truc. Et je vais enfin pouvoir tester celui-ci. Et en plus de ça, je ne l'ai pas encore essayé. Oh, merci. Oh, j'espère que mon colis va te plaire parce que moi... Tu sais, je me sens ridicule à côté de toi. T'imagines même pas comment ça me fait... Ça me fait chier. J'aurais su, j'aurais donné encore plus. Les rouges à lèvres. Et du coup, il y en a deux dedans. Il y en a deux, un rouge et un orangé. Après, le blanc, je sais pas à quoi ça sert. Je vais voir. Je vais voir à quoi ça sert. Mais en tout cas, merci beaucoup. T'es vraiment adorable. C'est vraiment gentil. Je suis grave touchée. Après. Ah ouais, d'accord, ok. Poudre exfoliante métamorphose. Poudre exfoliante, ça sert à quoi ça? De chez Sephora. Alors, la poudre gommante magique pour retrouver une vraie peau de bébé. Ah bah tiens, je vais tester. Je vais tester. Je verrai bien, je te redirai moi si c'est bien pour moi. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Heidi qui est le 8, le 008 Spicy. Donc je connais pas. Hein. Donc celui-ci, ça a l'air d'être un magnifique bordeaux à moitié qui part vers ouais, bordeaux. Vraiment très joli. Joliment. C'est très joli, merci. Hein. Là, je crois que t'as fait plus fort que moi, là. Alors, crème à lèvres douce et mate de chez NYX. En plus, j'aurais envie de le tester, celui-là. Oh là là, j'ai jamais testé les mattes de chez NYX. J'avais les gloss, mais les gloss, j'aimais pas plus que ça. Et là, c'est un mat. Oh là là, bah merci. La couleur est dingue. Oh bah merci. Waouh. J'adore le rose comme ça, franchement, c'est trop joli quoi. Merci. Il m'en reste deux. Alors, il m'en reste deux. Rouge volupté effet aqua brillance de chez Yves Saint Laurent. Ouais bah punaise, c'est la première fois que je vais avoir un rouge à lèvres de Yves Saint Laurent déjà. Il se présente comme ceci. Déjà le packaging est vraiment magnifique. Oh, bah punaise, il est trop beau. T'es, mais t'aurais dû le garder quoi. Et moi j'ai même pas les moyens de me prendre des rouges à lèvres comme ça. J'ai pas les moyens. Non mais franchement merci beaucoup parce que c'est la première fois que je vais tester un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et je craquais toujours devant leur truc, devant le déballage de Yves Saint Laurent. Et j'ai jamais craqué parce que par rapport au prix, bah là grâce à toi je vais pouvoir vraiment tester, c'est vraiment génial. Alors là c'est un rouge à lèvres de chez Une. Donc qui est un marron comme ça. Alors on va dire que là c'est la couleur que je suis pas trop, on va dire je sais pas les couleurs que j'aime porter... Parce que je trouve que ça me fait un teint terne. Mais après, peut-être que ça va pouvoir m'aller. Donc, il est ici. Et c'est le... C'est le quoi? C'est le 907. Et donc, voilà. Il se présente comme ceci. Donc, voilà. Vous savez même pas le bordel qu'il y a ici, les filles. C'est un truc de ouf. En tout cas, je suis grave contente. Comment te dire merci, j'ai envie de te donner encore des trucs tellement que j'ai honte. J'aimerais pouvoir te donner plus. Et vraiment, je sais pas comment t'as réagi, je sais pas tout ça. Et ça me fait peur, t'imagines même pas comment j'ai peur de regarder ta vidéo. Et toi d'ailleurs, t'es aussi pareil parce que tu me l'as dit. Donc on verra bien. En tout cas, bah merci beaucoup Hélène et je suis énormément contente de ce que tu m'as offert et encore merci pour tout et t'es vraiment adorable et voilà, bah voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous fais d'énormes bisous. Bye!